Vous travaillez dans les projets et vous voudriez introduire plus d'agilité. Ou bien, tout simplement, vous êtes intéressé par le thème du management de projets agiles. Inotelos vous propose, par le jeu, avec le sourire, lors d'un Vitagame, de venir expérimenter un projet agile, de venir vivre en équipe le développement d'un produit innovant de grande consommation. En 2 heures, vous devrez développer et sortir ce produit. Et comme dans la vraie vie, vous affronterez le stress, les incertitudes, les aléas, les contradictions. Comme dans la vraie vie aussi, vous devrez travailler et négocier avec des gens en dehors de votre équipe, comme les clients, les fournisseurs, les partenaires, les collègues, les parties prenantes. Et puis, comme dans la réalité, vous aurez à travailler en équipe, avec les aspects difficiles, mais aussi les très bons côtés d'un collectif qui s'auto-organise. Cela vous tente? Alors, venez nous rejoindre dans un Vitagame où vous pourrez faire une expérience immersive de l'agilité. L'innovation s'est vue trop souvent comme l'émergence et le développement d'une technologie. Malheureusement, les percées technologiques se traduisent rarement en innovation réussie. En fait, la plupart du temps, l'innovation, c'est un parcours d'obstacles qui part des idées pour aller jusqu'aux factures. Eh bien, dans notre formation Action, c'est ce parcours d'obstacles très rock'n'roll que nous vous proposons de parcourir ensemble, par le biais de beaucoup d'interactions, de mises en situation, d'échanges et de jeux. Alors nous vous proposons de venir nous rejoindre pour examiner ensemble le parcours de l'innovation, des idées aux factures. Cette casserole est-elle réalisable industriellement? À quel coût? Avec quels investissements? Est-ce qu'elle sera de bonne qualité? Comment faire pour la transporter, la distribuer? Quelles compétences faut-il pour réunir tout ça? Eh bien, ce sont quelques questions qu'il faut se poser avant d'industrialiser tout produit ou toute innovation. Et donc, dans notre formation Action, ce sont ces questions que vous serez amenés en groupe à vous poser et à commencer à résoudre. Et nous travaillerons que sur des études de cas. La casserole pour commencer, puis petit à petit, des produits de plus en plus complexes et aussi des exemples concrets venus de votre propre quotidien professionnel. Alors, rejoignez-nous pour voir comment industrialiser une casserole pour éviter une gamelle.